Bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. Aujourd'hui, vous ne verrez pas encore mon visage parce que je me suis fait attaquer en urbex par des moustiques tigres, je pense. J'ai un bouton qui est vraiment très 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 moche. Donc, je vais pas vous le montrer. Par contre, ben voilà, cette maison, elle est magnifique, vraiment. Donc là, on est en France. On est à la frontière entre la France et la Belgique. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas les petits pouces, les commentaires et les abonnements, etc. On se retrouve à la fin de la vidéo, comme d'habitude. A été refermé. Sérieux? Ça a été refermé par des planches. Et on dit ça, tirer dans le garage. Il y a un animal qui va se poser dessus en plus. Il y a un chat qui vient ici. Bah oui. C'est rare de voir ça. Je vous promets que c'est rare. Deux chevaux. Deux. Pour le prix d'une, il y a de l'eau qui tombe sur la capote. Ouais, elle va s'abîmer la voiture. C'est bien triste. C'est triste, ouais. Hein. Par contre, je ne sais pas trop reculer, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place ici. Hein. C'est passé. Oh, deux. Putain, deux chevaux, quoi. Quand il vient de faire une vidéo sur. Hier, c'est carrément moisi. Hein? C'est pas facile de passer. Il y a des années, il s'est abandonné. Il y a des papiers journaux sur la vitre de la voiture. J'essaie de vous montrer ça au mieux, mais c'est pas évident. Bon, ici, on est dans le garage, on n'est pas encore rentré dans la maison. Ça va être compliqué. Mais ça va être compliqué, oui. On peut ouvrir la fenêtre. Non. Et ça fait déjà un petit temps qu'elle est abandonnée, parce que quand tu vois la gueule de. Ouais. Des cageots. Facile de passer. Donc, vous voyez, on est en France. Je vous raconte pas des carabistouilles. Hein. J'adore ça. Pendu, là. Quoi? Les chaises, elles sont jolies. Elles sont en train de pourrir. Faut faire très attention. Pour rentrer dans le lieu, c'était pas évident. On est vraiment la nature, on reprend vraiment le dessus sur tout. On est reparti pour une nouvelle aventure. Alors juste pour vous prévenir, il n'y aura pas de son dans la fin de la vidéo. Parce qu'en fait, on avait les micros, mais je pense que vous n'allez pas apprécier. On raconte rien du tout sur le lieu. Donc c'est un peu... voilà, c'est pas terrible, terrible. Donc je vais meubler comme je peux, avec de la musique, avec ma voix, etc. J'espère que ça va vous plaire quand même. On est dans une maison qui est magnifique. Vous avez vu au début déjà, il y a deux voitures. Et franchement, pour rentrer dans le lieu, vous allez voir notre sortie. Mais l'entrée était par la fenêtre, donc c'était assez compliqué. Et la sortie, c'était par une entrée cachée, on va dire. Voilà. Mais là, on voit déjà, je trouve ça très joli, le truc en face en blanc. Voilà. Ça date des années 50, je pense, un truc comme ça. Donc c'est très très vieux. Voilà, j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Le début, voilà, on racontait un peu notre vie avec Coco, donc c'est assez sympa de nous voir aussi évoluer en direct. Et quand je vous dis qu'il y a presque tout dans cette maison, il y a presque tout. Hein, vous allez voir, c'est assez hallucinant. Et on voit la peinture qui commence vraiment à se laisser aller à cause de l'humidité. Donc l'humidité est en train de rentrer dans le lieu, mais vraiment partout. On voit dans la cave hein, qu'il y a de l'eau. Malheureusement, voilà, il y en aura encore de plus en plus. On a visité ce lieu il y a déjà un petit moment. Regardez ça. Bon, je ne sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est une machine à laver? Je ne sais pas. Voilà, si vous savez, vous pouvez le dire en commentaire. Ça peut toujours être sympa. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on passe au vieux et puis on passe au neuf. Voilà. Une nouvelle machine à lessiver.
raccorder, etc. Il y a encore du produit, il y a encore tout. Hein. Donc là, on est dans la cave pour une fois, donc on rentre par là, et là, il y a, je pense, un nid d'hirondelles. Vous voyez, il y a encore tout qui pend sur le fil, etc., comme si les gens voilà, sont partis du jour au lendemain. Mais vraiment, l'eau est partout. Enfin, c'est assez impressionnant. Et ici, pour passer, je vous raconte pas. Hein. Il faut être très très fin. C'est pas mon cas. Et voilà. Et regardez, il y a des bouteilles de vin. Malheureusement, je pense qu'ils sont plus en très très bon état, mais ne sont pas encore ouvertes. Non, c'est une espèce de cave à vin. Et des pots de confiture, il y en a partout. Alors regardez, ici on voit la moisissure qui s'est mise dessus. Je ne sais pas du tout ce que c'est le noir. Est-ce que c'est un dépôt de quelque chose? Surtout en dessous. Hein. Je pense que c'est surtout dû à l'humidité. Il y a du champagne, vous voyez. Et beaucoup de vin. Bon, ben voilà, hein. En même temps, c'est une cave assez sympa. On n'a pas l'habitude de voir des caves aussi remplies. Vraiment, je peux vous dire qu'en Urbex, les caves sont souvent vides. Voilà, on va continuer notre expédition. Et je peux vous dire, pour passer, c'est vraiment très très étroit. On ne dirait pas la caméra, mais c'est vraiment étroit. Donc là, on va essayer de trouver pour monter à l'étage. Alors, regardez l'eau, hein. Il y en a vraiment, vraiment partout. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que bah, vous profitez un peu de cet été. Nous sommes en juillet. Et c'est voilà, je pense que ça va être sympa, ces petites vacances, enfin, à part le temps, qui est un petit peu compliqué en ce moment. Encore une autre pièce dans la cave. Et là, il y a carrément la chaudière. On dirait qu'elle a pris feu. Je ne sais pas, il y a du noir dessus. Une espèce de truc noir. Je ne sais pas du tout. Très, très sympa comme lieu à visiter, vraiment. Et là, regardez ce que je vais faire. On va regarder s'il y a encore du mazout dans la chaudière, il y en a encore, enfin dans la citerne, il y en a encore. Je dis ça parce que j'ai le même chez moi. Enfin maintenant plus, mais j'avais ça avant. Coco, pour une fois, sa lampe de poche fonctionne correctement, ce qui est plutôt rare. D'habitude, ça clignote de partout. On a trouvé, pour monter à l'étage, regardez, c'est vraiment pas pratique. Donc quand nous sommes arrivés sur le lieu, il y avait d'autres urbexeurs, on a un peu discuté avec eux, c'était assez sympathique. Et pour une fois, ben voilà, tout n'était pas abîmé dans le lieu, enfin tout n'est pas abîmé dans le lieu, et ça c'est le principal. Vous voyez, pour monter, ben, c'est pas pratique, hein, avec toutes les crasses partout, je sais pas du tout pourquoi on a mis ça là. Alors, vous allez me dire, c'est des gens qui ont encore jeté tout, qui ont encore fouillé partout. Et regardez, quand on voit ce lieu, on se dit, oh merde, ça va pas être super intéressant à visiter. Et bah si, que du contraire. Donc ça a été visité bah, par des gens, certainement des voleurs, machin, etc., qui ont fouillé pour voler, hein, comme d'habitude. D'ailleurs, je tenais à vous dire aussi qu'on a... Enfin, Coco a filmé... un lieu qui est magnifique. Je vous jure, quand je vais sortir cette vidéo, vous n'êtes pas prêts, vraiment. C'est une villa de milliardaires, avec de l'or au sol, avec des lustres enfin de fous furieux. On ne va pas la diffuser tout de suite pour justement ne pas qu'on puisse donner l'adresse à certaines personnes. Donc le lieu est vraiment magique. Regardez ce piano qui est resté là avec l'humidité. Et il a vraiment pris l'humidité. Hein. Je peux vous dire que je pense qu'on appuie sur une touche, il tombe. Hein. Mais honnêtement, ça donne super bien. Ça donne un petit cachet comme ça, un petit cachet. Mais regardez l'humidité, hein, il y en a partout. On voit aussi le plafond. Regardez le plafond avec
La moitié du truc qui s'est laissé aller. Il y a les publicités pour Aldi. Et c'est les publicités de chez Aldi qui datent. Hein. C'est pas. Et nous sommes en France. Donc on n'est pas en Belgique. On est vraiment pratiquement à la frontière française. Enfin, entre la frontière française et la frontière belge. Ah oui, hein, quand on fait de l'urbex, on voyage beaucoup. Hein, vraiment. Bon, je peux vous dire qu'on prépare déjà les voyages pour fin de l'année. Je vous en dirai plus tout au long des vidéos. Mais vous allez voir des lieux magiques. Hein. Alors ici, c'est le lieu le plus joli, je trouve, avec la table. Regardez, on voit la moisissure qui est en train de s'installer sur la table. Et c'est vraiment dû à l'humidité. Il y en a partout, il y a des champignons partout. Regardez, sur le lit aussi. Il y en a vraiment. Là, il y a un four à micro-ondes à terre, on ne comprend pas trop. Et regardez ça comme c'est très très joli. Hein. Je vous fais une vue d'ensemble avec le lustre, qui est, je trouve, très très joli aussi. Et le lit, regardez, le lit, il a pris vraiment de la moisissure. Ça ne donne pas envie de vivre dedans. Hein. La perruche. Honnêtement, je connais pas du tout. Bon, je suppose que vous connaissez. Hein. Regardez la moisissure sur le mur. Hein. On voit que le tapis s'est décroché. On voit que, vous voyez, c'est vraiment l'humidité a infecté toute la maison. Et les champignons aussi. Ouais, vraiment, c'est. Moi, j'adore le carrelage dans cette maison, d'ailleurs. Le carrelage est vraiment très très joli. Carrelage dans chaque pièce, différent. Et regardez, quand je vous dis qu'il y a tout, il y a vraiment tout, hein. Il y a encore des gants pour prendre des plaques chaudes. Regardez, ici aussi, il y a encore des trucs dans l'armoire. Bon, il n'y en a plus trop, il y a encore quelques verres à vin pour aller avec les bouteilles, certainement dans la cave. On voit vraiment que la moisissure s'installe vraiment sur tout et partout, sur tous les meubles, les portes, les machins. C'est vraiment impressionnant de visiter ce genre de lieu. Et ici, on est aussi une pièce très très jolie. Regardez la moisissure sur le mur. Hein. Je vous ai dit, c'est vraiment. Moi, personnellement, je l'appelle la maison moisissure parce qu'il y en a vraiment sur tout et n'importe quoi. Un vieux livre, un vieux jeu à cheval, aux dames. Alors, ça, c'est un livre, je sais pas du tout. Je sais pas du tout, mais il est là. Je pense que c'est un livre de prière ou je sais pas du tout, mais enfin dites-moi en commentaire si vous connaissez ce livre. Alors, regardez, il y a des fameux bouquins hein, dans cette maison et vous n'êtes pas prêt encore. Et là, ce qui est le pire en fait, c'est regarder au-dessus vraiment la dernière rangée de livres. Regardez la moisissure qui s'est installée sur les livres. Et malheureusement, ils vont finir tous, mais tous comme ça. Et là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de moisissures. Et ça s'incruste vraiment partout. On dit que vous voyez, les maisons sont vite abîmées. Bah oui, malheureusement, elles sont vite abîmées. Et pas que par des gens, hein. Pas que par des gens. Alors, regardez ici, il y a la moisissure qui a fait un dessin. Enfin, c'est un champignon. Alors, regardez, ça fait de l'art. Tout simplement. Alors, c'est très joli, mais bon, je pense que c'est très dangereux aussi. On va finir par monter à l'étage. Coco est resté bloqué. Regardez l'état de la veste de Coco. Hein. Je vais vous dire, on se frotte sur les murs, on a du blanc. On passe quelque part, on a du blanc. Enfin, vous voyez, ça colle partout.
C'est vrai que des fois, on pense à mettre des gants, etc. Mais Coco et ses photos, vous pouvez retrouver sur son Instagram. Je mettrai en description. Les 39 marches, ben on les a pas montées là. On a monté à peine une dizaine. On est ici, regardez, franchement, le lieu là, on dirait vraiment qu'il est saccagé. Regardez. Les gens ont fouillé dans les armoires, etc. Je trouve ça vraiment débile, mais bon. Les gens qui recherchent des choses de valeur. Bon, nous, personnellement, on s'en fout. On a déjà trouvé plein de choses. On n'a jamais rien repris. Et je trouve ça vraiment très triste de fouiller dans la maison de quelqu'un qui ne nous appartient pas. Mais bon, nous, on n'est pas des voleurs. On n'a vraiment rien à se reprocher sur toute notre carrière urbaine. Alors ça, c'est une chaise percée. Et puis regardez là, il y a une espèce de bidet. Alors le bidet, il faut s'accrocher, hein, vous voyez, c'est tout étroit, va tout serrer. Puis on a une salle de bain, une vieille salle de bain. Hein, c'est vraiment pas une nouvelle, mais une vieille. Et là, dans l'armoire, ben, regardez, il y a encore tout. Il y a des langes. Bon, c'était certainement une vieille personne. Alors, la bouteille verte, je sais pas du tout ce que c'est. Je me demande ce que ça fout là. Et vous voyez, on est toujours dans le respect. Hein. On ouvre une armoire, on la referme, on fait toujours les choses bien. Alors, regardez ici la chambre qu'on voit là. Waouh, magnifique. Mais là, je vois que Coco est dans la pièce. Donc, je ne vais pas la déranger pour le moment. Regardez cette chambre et les murs qui sont en train de se décoller. Alors, il y a tout vraiment. Regardez, c'est impressionnant puisque les meubles sont très très jolis. Enfin, tout est vraiment très joli, mais tout est en train de prendre l'humidité. Ils sont en train de s'abîmer, alors c'est vraiment triste. Hein, mais... Regardez, là on voit que l'eau passe carrément à travers le plafond. Et quand on visite ce genre de lieu, bah, il faut faire très attention, surtout au plancher, parce que bah, le plancher il peut lâcher assez rapidement. Donc il faut mettre un pied devant l'autre et attendre, voir si c'est assez solide pour mettre le deuxième. Bon, la chambre, elle n'est pas particulière. Bon, c'est un lit normal. Regardez, encore un singe qu'on a l'habitude de voir dans tous les urbex pratiquement. Mais là, c'est pas un singe, c'est une autre marque. Et je trouve qu'il est très joli parce qu'il a des dessins, etc. Il est en parfait état. Hein. Sauf que voilà, la moisissure, regardez sur la planche. Il y en a aussi, malheureusement. Et une croix qui a aussi pris, je pense, l'humidité. Qui est toute blanche. Comme quoi, le champignon s'installe vite dans une maison. Hein, je pense que la maison est abandonnée depuis une dizaine d'années. On n'a pas eu trop d'infos là-dessus, mais je pense. Regardez un peu le lustre. Alors, il y a aussi des vidéos qui vont venir prochainement où j'ai l'histoire du lieu et c'est des histoires assez gore. Je vous préviens déjà, il y aura du sang dans cette vidéo, malheureusement. Enfin, on ne verra pas de sang, hein, je vous rassure, hein, parce que je ne peux pas le diffuser, mais je vous expliquerai l'histoire de ce qui s'est passé dans ce lieu. Et on voit de la nature, regardez, elle passe derrière la fenêtre, hein, elle essaie de rentrer. Et tous les tapis avec l'eau, avec l'humidité qui coule dans les murs ou qui se trouve dans les murs, ben, décollent tous les tapis. Et là, ça a été démonté, le lit. Donc, est-ce qu'il y a encore du passage des descendants dans cette maison? Aucune idée, mais regardez ça. Le nombre de toiles d'araignées, d'humidité dans cette maison était impressionnant. Oui, je me répète, hein, je sais que je vais beaucoup te parler d'humidité dans cette maison. Voilà, Coco et ses photos. Je vais la laisser finir ses photos. On va attendre un petit peu. Alors, ce qui est bien avec Coco, c'est qu'on s'entend super bien. Ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années qu'on est amis. Et vraiment, on s'entend super bien sur ça, sur l'urbex en tout cas. C'est vraiment une chose qu'on a en commun. On ne s'est jamais pris la tête. Même si des fois, on doit attendre l'autre, etc. On attend et voilà. Mais Coco avant avait un appareil photo, maintenant elle fait ses photos sur un téléphone, comme à peu près tout le monde.
Et toutes les expositions que vous avez vues sur la Ravel dans la vidéo, dans une des dernières vidéos, en fait, c'est fait au téléphone. Donc, c'est assez impressionnant parce qu'ils ont fait des bâches de plus de 2 mètres. Et tout ça fait avec son téléphone. D'ailleurs, elle n'en a pas parlé en conférence de presse, qui était plutôt étonnant. Alors, regardez, cette chambre, elle est vraiment très très jolie. J'adore le tapis au mur, qui fait très années 80. Même si la couverture sur le lit, ça fait aussi années 80. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose dans cette chambre, mais je la trouve très très jolie et vraiment très sympathique à visiter. Voilà, on va arriver tout doucement à la fin du lieu. On a fait le tour. Vous voyez, cette fois-ci, vous avez vu la cave, ce qui est plutôt rare chez nous, parce qu'en général, il n'y a jamais rien. Regardez ici, on voit des photos. Photos ski, des lunettes. Et ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mon papa en avait, mais je ne sais plus du tout comment ça s'appelle. Je sais qu'il y a des graines dedans. Alors, si vous savez, vous pouvez aussi le mettre en commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. J'espère surtout que vous allez super bien et que tout se passe bien pour vous. Moi, je peux vous dire que honnêtement, question santé, ça va mieux. Je suis très content. Je recommence à reprendre une vie un peu normale. Juste la fatigue un petit peu, mais voilà, tout le reste, ça va. Ben, on terminera cette vidéo avec de la musique.